15-0. Ton rapport avec le tennis? Je voulais être championne de tennis. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es bastonné sur la terre battue? Non, mais c'était trop long comme effort. Tu vois Djoko, en fait, là où il est, ouais. Bah, tu prends un tout petit peu en dessous et tout en bas de l'échelle. Je jouais quand j'étais petit et j'étais extrêmement mauvais. Je vous le dis, j'étais nul. Je crois que j'étais pas mal, hein. Modeste. J'ai une base, c'est joli. Ça dure pas longtemps, mais c'est joli. Ton coup à toi, ça serait quoi? Le coupé volé décalé. Pour toi, la balle jaune, c'est un peu une Madeleine de Proust. Ça te ramène aussi à des souvenirs d'enfant. Ouais, enfin, dimanche après-midi, devant la télévision, en famille. Ça fait penser aussi au bac, évidemment. Qu'est-ce que je fais? Je révise le bac ou je regarde le match? Allez. J'ai dû... Je me suis entraîné, je l'ai bossé. Je ne sais pas si je vais oser le lâcher en public. Alors que tu te tiennes. Hein. Je vais pas me tenir correctement. Un petit allez de temps en temps et un gros bravo. Ne force pas à intervenir parce qu'après, tu vois, ça serait... Enlève ta main, j'ai eu peur. 80% des échecs au bac sont dus à Roland-Garros. Non, c'est vrai, c'est une vraie stat. Hein. Il faut demander au ministère de l'Éducation nationale de faire stopper Roland-Garros. Bossez, bossez, ayez votre bac, faites un bac tennis.